Merci, mon cher collègue. La parole est à monsieur Maggi. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire d'État, Madame la Rapporteure Générale, Monsieur le Président de la Commission des Finances, chers collègues, notre Assemblée s'apprête à adopter définitivement le projet de loi règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2014 que le Sénat a rejeté hier en nouvelle lecture. Comme énoncé par notre Président Roger Gérard Schwarzenberg en première lecture et notre collègue Gilda Aubert en nouvelle lecture, le groupe RRDP est favorable à l'adoption de ce test qui constate l'exécution budgétaire de l'année 2014. Mes collègues ont soulevé déjà, lors des deux précédentes discussions générales, les points essentiels. Tout d'abord, le déficit qui s'élève finalement à 4% du PIB l'année dernière. Celui-ci s'inscrit dans notre programme de stabilité 2015-2018 et marque une amélioration sensible de la gestion de nos finances publiques, en dépit du nouveau historique bas de l'inflation, plus 0,5%, qui limite la progression des recettes. Nous saluons cette amélioration. Pour autant, le gouvernement n'a pas renoncé aux efforts sur les secteurs essentiels que sont l'éducation, la lutte contre le terrorisme ou encore l'insertion professionnelle des jeunes par le développement des contrats aidés. Nous avons également desserré la pression fiscale sur les ménages modestes et moyens, ce qui a participé à relancer la consommation des ménages en améliorant leur pouvoir d'achat et apporté, pour ainsi dire, à bout de bras, une croissance demeurée toutefois atone dans l'Hexagone l'année dernière à plus 0,2%. Nous saluons également le changement de paramètres opéré par le gouvernement à partir du programme de stabilité 2015-2018 qui consiste à prendre désormais des taux planchers et non plus des taux plafonds pour les principales estimations macroéconomiques. Ce changement de paramètres devrait durablement nous prémunir des divergences d'interprétation quant à l'évolution de notre déficit. En effet, concernant l'exécution budgétaire de 2014, qui nous concerne aujourd'hui, la Cour des comptes a estimé, au contrario du gouvernement, du fait notamment d'un défaut de 10 milliards d'euros de recettes comparativement à ceux qui étaient envisagés à l'automne 2013, par le biais d'un taux plafond, que la trajectoire de notre déficit nominal n'était pas bonne. Concernant les dépenses, elles ont été maîtrisées et même stabilisées en 2014. Leur montant est de plus inférieur de 6,34 milliards d'euros aux dotations initiales de la loi de finances. Les normes de la dépense en volume qu'on a en valeur ont été respectées. La hausse de la dépense à valeur s'établit ainsi à seulement plus 0,9% l'année dernière, hors crédit d'impôt toutefois. Nous souhaitons en effet remarquer enfin que dans ce contexte d'efforts assumés et sans précédent sur la dépense publique, nous ne pouvons pas nous permettre de notre côté de laisser trop filer la dépense fiscale, sans non plus simplifier l'architecture des niches qui grèvent l'ensemble de nos impôts et qui avaient été programmés par le gouvernement. Or, CICE a moins à 70 milliards d'euros pour 2014. Cette dépense fiscale aurait finalement atteint 72 milliards d'euros l'année dernière, bien que l'estimation de son coût global demeure partielle selon la Cour des comptes et selon plusieurs rapports parlementaires. Ce montant de 72 milliards d'euros est colossal, et ce d'autant que le niveau des prélèvements obligatoires a subsisté en 2014 à 44,9% du produit intérieur brut, après 44,7% en 2013. En conclusion, après ces quelques remarques, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste votera bien entendu définitivement ce projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2014 qui s'inscrit dans notre programme de stabilité. Merci.